Merci beaucoup à vous d'être venus en si grand nombre. Le nouveau code de procédure civile, tant attendu, est finalement rentré en vigueur cette année. Je parle trop fort. Non, vous êtes caché. Ce nouveau code suscite à la fois des grands espoirs pour l'amélioration de l'accès à la justice, mais aussi des craintes quant aux effets sur la pratique du droit. Et l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est d'examiner de manière critique ces espoirs et ces craintes, en particulier sur l'impact de cette réforme sur la fonction même des juristes. À mon avis, le nouveau code de procédure civile n'est pas en soi suffisant pour améliorer l'accès à la justice. Je crois aussi qu'il faut investir dans le système judiciaire et intérioriser le nouveau rôle des juristes, avocats et juges. Et le changement de la culture judiciaire passe avant tout par un changement dans le discours sur la profession juridique, et ce, notamment dans la culture populaire. Et j'expliquerai ce que j'entends par culture populaire, mais j'emploie le terme au sens large. Littérature, cinéma, télévision, médias, etc. Mais avant, examinons la philosophie du nouveau code. Est-ce que tout le monde a vu la publicité avec Laurent? Oui. Oui. On va quand même la regarder ensemble, parce que Luc Mongrain, ancien chef d'antenne à TGS, explique ce qu'est la justice participative. Alors, si tout le monde l'a vu, on va peut-être ne pas la regarder, mais rappelez le. Essentiellement, c'est je vous montrerai et dit bon, quand vous allez devant un juge, qu'est-ce qui se passe? Le juge donne l'orange à une partie et fait un gagnant ou un perdant. Si vous allez en conférence de règlement à l'amiable, qu'est-ce qui se passe? Le juge va couper l'orange en deux et les parties vont être plus ou moins satisfaites. Alors, parlez à votre avocat, il va trouver des solutions pour faire de l'orange du jus ou de la marmelade. Et c'est donc ça la justice participative, c'est d'encourager la participation active des parties dans la résolution de leurs différends. Ça vise à les impliquer davantage, et tout en assurant de l'accessibilité, on voit ici à la disposition préliminaire du nouveau code de procédure civile, l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice. Et ces trois principes, en fait, reposent sur une simplification de la procédure et une approche de coopération. Alors, le nouveau rôle de l'avocat qui peut faire de la marmelade ou du jus d'orange, c'est avant tout le rôle de l'avocat médiateur. Et, à l'article 1er du nouveau code de procédure civile, on prévoit cette obligation de considérer le recours au mode privé de règlement et de prévention des différends. Qu'est-ce qu'on entend par doivent considérer? Les commentaires de la justice, de la ministre de la Justice sont disent une chose et son contraire. Cette disposition n'est pas en soi, n'est pas contraignante au point de rendre irrecevable l'action en justice, mais elle est impérative. Et ce caractère impératif vise à amener un changement important dans le rôle des juristes, qui doivent maintenant présenter un éventail, un ensemble de solutions à l'amiable, à leurs clients. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment un nouveau rôle? Même avant le nouveau code de procédure civile, on sait que la majorité, les statistiques démontrent que la majorité des litiges sont réglés déjà par cours.
plus de 90%. Alors, qu'est-ce que le nouveau code de procédure civile apporte de plus? Quel est l'objectif de ce nouveau code? Donc oui, régler les litiges le plus tôt possible avant même de recourir au tribunal. Et deuxièmement, accorder au juge plus de pouvoir d'intervention. Donc le rôle du juge est celui d'un gestionnaire qui veille à la bonne gestion de l'instance. Et la même question se pose pour le rôle, est-ce que c'est vraiment un nouveau rôle? Parce que le libellé du nouveau code de procédure civile n'est pas si différent de l'ancien. Si on regarde à l'article 158 du nouveau code de procédure civile, je ne vais pas le lire, c'est assez long, mais essentiellement, ça reprend les dispositions, les mesures de gestion qui existaient déjà sous l'ancien code, aux articles 151.6 et 151.7. Simplifier la procédure, réduire le nombre des interrogatoires, inviter à une conférence de règlement amiable, à une gestion d'instance. Le nouveau code, en fait, vient seulement préciser certaines de ces mesures. Je souligne en gras les différences. Il apporte quelques pouvoirs additionnels de gestion, comme le pouvoir d'imposer une expertise commune, ce qui a, à mon avis, une avancée pour l'accès à la justice. Mais, dans le fond, la fonction du juge lui-même ne change pas tant que ça. L'avocat médiateur et le juge gestionnaire existaient déjà sous l'ancien code, en pratique. Les parties étaient fortement encouragées à régler hors cours, même avant l'entrée en vigueur de ce nouveau code. Alors, c'est quoi les espoirs de cette nouvelle réforme? Et je crois qu'il y a deux grands espoirs, donc la réduction des coûts et des délais pour désengorger les tribunaux en accordant plus de pouvoirs de gestion aux juges, et surtout un changement de la culture judiciaire. Passer de la culture du procès vers la culture de l'entente. Donc, le nouveau code de procédure civile repose essentiellement sur deux prémices. Le problème d'accès à la justice est avant tout un problème de coûts et de délais, donc d'efficacité judiciaire. Et deuxièmement, la culture du procès vaut mieux que la culture de l'entente vaut mieux que la culture du procès. Et ces deux prémices ne sont pas rarement remises en question dans la littérature. Or, à mon avis, ce n'est pas simplement une question d'efficience. Je crois que le problème de l'accès à la justice est plus complexe. C'est aussi une question d'attente sociale et de valeur. Et il faut plus de recherche sur les causes profondes de l'accès à la justice pour comprendre quelles sont les attentes sociales et surtout la conscience du droit. Concernant la deuxième prémisse, la culture de l'entente n'est pas nécessairement meilleure que la culture du procès. Au contraire, je crois que ça peut entraîner certains effets pervers qui risquent d'accentuer le problème d'accès à la justice. Et je pense ici le fait de renforcer certaines inégalités sociales ou les rapports de force. Et on passe maintenant concernant les craintes de cette nouvelle réforme. Donc, premièrement, par rapport à l'impact concret, réel, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose en pratique? Et comment est-ce que les dispositions vont être interprétées par les juges et appliquées? Parce que, présentement, si on va en cours, ni les avocats ni les juges ne savent trop que faire avec le nouveau code. Et par rapport au danger de la privatisation de la justice que j'ai lancé plus tôt, je pense qu'il ne faut pas seulement mesurer le nombre de règlements hors cours. Il faut aussi se demander pourquoi les gens règlent hors cours et quelle est la qualité de ces règlements. Et il y a peu de recherches à cet égard, parce que la majorité des recherches empiriques portent sur les délais et les coûts, donc l'efficacité du système judiciaire, et non sur les valeurs fondamentales qui sous-tendent
tout système de justice. Deuxième question, est-ce que le seul critère du libre choix des parties, des modes privés de règlement, parce que à l'article 1er du Code de procédure civile, on dit que les parties ont le choix, on peut choisir n'importe quelle forme de mode privé. Donc, pas seulement la médiation ou l'arbitrage, mais ça peut être pas nécessairement devant un tiers. Ça peut être la négociation entre les parties elles-mêmes, ou pas nécessairement devant un tiers qui est formé pour faire de la médiation ou de la négociation. Est-ce que le seul libre choix garantit protège les droits fondamentaux et garantit et assure les garanties procédurales des personnes qui sont en situation de vulnérabilité? Et là, je voudrais refaire plus à des personnes qui sont par exemple, en situation la partie faible économiquement désavantagée. Et la troisième question que je me pose, c'est par rapport, encore une fois, au rôle du juge et de l'avocat. Parce que la majorité des études qui existent se traitent uniquement de l'opinion publique face aux praticiens, face à la profession juridique, face à l'institution judiciaire. Et je crois qu'il faut aussi faire une introspection des opinions et des attitudes que les praticiens eux-mêmes ont de leur propre rôle dans la société. Parce que ça peut être une source du problème, mais aussi une avenue pour améliorer l'accès à la justice. Donc, comment est-ce que les avocats et les juges se perçoivent eux-mêmes? Et je pense que la culture populaire peut être utile dans ce sens. Il y a peu d'études qui examinent l'image, la représentation des juristes civilistes. Il y a beaucoup en droit pénal, mais peu par rapport aux juristes civilistes. Donc, quelle est l'image qu'on projette de l'avocat et du juge civiliste? Et donc, mon projet de recherche vise d'une part à étudier le rapport des praticiens au droit et d'autre part la perception que les praticiens eux-mêmes ont de leur rôle dans la société contemporaine et si on regarde la culture populaire. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par culture populaire. C'est un terme qui a plusieurs significations. Et qui a beaucoup évolué au cours des siècles. Je ne vais pas en faire une généalogie, mais essentiellement, c'est vraiment un terme large qui englobe tant les anciennes traditions folkloriques, que ce soit contes, mythes, chansons, que les nouvelles formes de communication, télévision, films, médias. Et le mouvement de l'étude du droit par la culture populaire est né dans les années 1970-1980, en parallèle avec le mouvement droit et littérature. Mais la culture populaire est utilisée et souvent employée comme englobant également la littérature et d'autres disciplines de sciences humaines, sociologie, histoire, psychologie, psychanalyse. Alors, on y distingue trois grands courants. Trois grandes branches, le droit et culture populaire. Et c'est en fait, c'est comme si le droit et la culture populaire étaient deux sphères distinctes, séparées, mais qui peuvent traiter de thèmes communs. Par exemple, certains films ou romans sont inspirés de cas réels. Droit comme culture populaire, ici on va faire plus à une approche du droit, à une méthode. En utilisant une méthode d'analyse littéraire, donc c'est vraiment les méthodes d'interprétation des textes de loi ou des textes littéraires pour aller chercher l'intention du législateur ou de l'auteur. Et le troisième courant, droit dans culture populaire et vice-versa, culture populaire dans droit. Et ma recherche se situe dans ce dernier courant, donc le droit et la culture populaire comme des discours mutuellement constitutifs. Et donc, voir la culture populaire non seulement comme un miroir de la société, mais également comme un véhicule de changement. Parce que ça façonne la perception, notre perception
du système de justice, des attentes sociales, de la profession juridique. Alors, je vais terminer sur quelques pistes de réflexion sur les avenues pour améliorer l'accès à la justice. Premièrement, l'investissement dans le système judiciaire. Je pense qu'il ne suffit pas d'octroyer seulement des pouvoirs de gestion aux juges. Il faut carrément plus de juges, plus de greffiers pour traiter les dossiers plus rapidement. Ceci implique une augmentation des effectifs et des ressources, donc une augmentation du financement. Avec les coupures budgétaires actuelles, c'est peut-être pas réaliste. Mais donc le nouveau code de procédure civile essaie de faire ses coupures faute de moyens. Il encourage la privatisation de la justice. Les justiciables sont encouragés à régler leurs litiges hors cours. Et donc, la pyramide de la justice se trouve ainsi un peu inversée, parce que à la base, on retrouve les modes privés de règlement et en haut, les tribunaux. Et ceci peut en fait, ça ne s'attaque pas aux véritables causes des injustices, qui sont plus des inégalités sociales. Et je pense que ça peut encourager, en fait, ça peut plus servir la partie forte que la partie faible. Et je vous donne un exemple, parce que notre code de procédure civile est inspiré de la réforme qui a été faite en Angleterre avec le rapport Wolf, qui, dans le fond, ont proposé les mêmes changements, augmenter les pouvoirs de gestion du juge et puis encourager les modes privés de règlement des différents. Et en évaluant le succès de la réforme, effectivement, ça fait baisser le nombre de procès, ça a augmenté le nombre de règlements, mais ça a eu comme dérive que ça a augmenté les coûts, ça n'a pas réduit les coûts, une utopie. Les gens, maintenant, le redéploiement des frais sont pas au procès, mais avant procès. Pour payer pour les frais de médiation, de négociation, etc. Et ça n'a pas découragé, en fait, les gens qui ont les moyens de se battre et d'aller devant les tribunaux. Ça a découragé ceux qui n'en ont pas. Et concernant le deuxième aspect, le discours portant sur la profession juridique, et je me concentrais, donc, non seulement dans l'éducation et la formation des juristes, mais aussi dans la culture populaire. L'image des juristes dans la culture populaire est assez négative, on s'entend, plutôt escrocs qu'héros ou dieux. Mais je pense que simplement codifier dans le nouveau code de procédure civile une nouvelle culture judiciaire ne va pas changer la culture judiciaire. Pour qu'on change la culture judiciaire, il faut passer par un changement dans la culture populaire. Je pense que c'est à la culture populaire, comme les publicités de mon cas sont plus efficaces pour changer les mentalités et que ça prend en fait un changement social et non seulement un changement, une nouvelle loi ou une codification. Je sens que vous avez beaucoup de questions. Sachez juste que la caméra va être éteinte.